Salut tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois nous étions arrêtés après avoir recruté Javik, le protéin, dans notre équipe. Et on va tout de suite continuer en allant donc faire la requête principale, en allant sur Palaven. Plutôt à côté de Palaven, pour ce qu'est le Primarque Turien. Et c'est y part. Donc j'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que oui. Alors il a pas... Ah ouais, je peux pas le prendre, d'accord. Je suis obligé de prendre ces deux-là. C'est parti. Ah, peut-être une nouvelle arme ici ? Ça c'est bon. Confirmé. Je peux rien faire encore sur ça. Crusader, pourquoi pas. Et cela, voilà. Des armes ici, ça va. On va dire que ça, c'est bon. Niveau auto. C'est parti pour la quête principale. Quête principale. Non, non, c'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde, c'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre ? Oui. Shepard, je suis désolée. Ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James ? Ouvrez le sas. Alors on va changer d'arme. C'est un allié, ça. Ok, on entre, on sort. Allez. Ça c'est l'arme. Pas très utile pour le moment ça. Un soldat tue rien. Peut-être aller en arrière pour voir ce qu'il peut y avoir.
Ah, ça c'est nice comme arme. Il n'y a rien à voir en arrière, c'est bien. Ouh, ce pistolet il m'a l'air bien intéressant là. 24 munitions. Ce moissonneur est énorme. J'en ai vu de plus gros sur Terre. Tout un paquet. Allez, allons-y. Trouvez le commandant. Deuil là-bas, je pense. Hein. Chef, j'entends la navette qui amène les mécanos des chasseurs et m'emporte. On pense qu'elle est perdue. Combien de chasseurs sont en réparation? 29, chef. Ok. On va quand même voir ici. Domestique, allez renforcer la barricade. À vos ordres. Sergent Bartus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général? Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. Je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'une heure. Voilà qui complique les choses. Quelle est la situation, Général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le Primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Désolé, il paraît que c'était un homme compétent. Oui, et un ami proche. Il aurait fait un excellent diplomate. Et maintenant, il se passe quoi? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui, Général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau Primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent d'approcher. Ne vous en faites pas, Général. Je vais m'en occuper. Merci, commandant. Je vais m'occuper du reste. Bien, allons-y. Je vois la tour de transmission, à gauche de la barricade principale, devant Palaven. Okay. En avant! Je vois. Oui, chef. Sur votre gauche en haut, c'est la barricade principale. C'est par là la sortie? Ah, les jambières. Ok. Plein de mode, hein? Ça va être du zombie en masse. Les zombies de la tour nous ont submergés. Bonne chance.
Ok. On fait un peu le tour. Hein. Rien ici. Ça m'aiderait. Les voilà. Prêt, James? Oh ouais, on va se les faire. Merci à vous, commandant. Je vais contacter le commandement de Palaven. Tenez-moi au courant dès que vous en savez plus. D'ici là, je vais aider vos hommes. Entendu. Shepard, terminé. Ok, c'est des petits fights normalement. Mauvaise touche. Ah, on doit défendre la tour, d'accord. Si je m'éloigne, ça va pas le faire. Commandant Shepard. Je vous écoute. J'ai reçu des informations du commandement de Palaven. Veuillez revenir dès que possible. On revient. On arrive, mon cher Corinthus. Ah là là, la bataille. On dirait que Mass Effect 1 et 2 c'était juste pour préparer le jeu quoi. Je trouve franchement qu'il faut un petit peu pas la copie mais bon. Qu'avez-vous découvert? Comme votre partenaire vient de le dire, la succession ne pose généralement aucun problème. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le Primarque. Garrus. Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général. C'est une bonne surprise. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les moissonneurs, je conseille. James, voici Garrus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Lieutenant. Ravi de vous voir, Lyra. Contente de vous revoir en vie, Garrus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau primarque est le général Adrien Victus. Victus? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez, Garrus? J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre, qui ne respecte pas la stratégie établie. Que voulez-vous dire? Sur Tétrus, pendant la révolte. Il a découvert un réseau d'espions galariens, au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse, mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus Primarque, j'ai du mal à y croire. Vous pensez qu'il sera à la hauteur?
Les stratégies conventionnelles sont inefficaces contre les moissonneurs. Victus est peut-être l'homme de la situation, et j'ai confiance en lui. Parfait. Allons le trouver et tirer. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé. Dois-je retourner au Normandie? Ainsi qu'aux ors, il se dirige vers l'aéroport. Oh. Général, dites au Primark de nous trouver ici. En attendant, allons voir. Vous venez, Garrus? Vous plaisantez? Je vous talonne. Ok. Alors, on avait déjà lu ça, je crois. James, c'est vous qui respirez comme ça? L'atmosphère est plus mince que ce à quoi je suis habitué, c'est tout. Mais je préfère de loin l'adrénaline à l'oxygène. L'odeur. Un nouveau style d'ennemi, tiens. Ce système de drop a l'air bien utile, hein. Non, il doit y avoir des choses. Il doit pas être tout. Assez déçu, ça va vite quand même. Hein. Après, c'est l'une des premières missions du jeu, c'est peut-être pour ça. Shepard. Je vous écoute. On cherche toujours le Primark. Mais on rencontre quelques ennuis à la barricade principale. Si les moissonneurs y ouvrent une brèche, on est fini. J'arrive. Ok. Du tir au pigeon! Je vais tenter d'en tuer trois d'un coup! Wouhou! Allez, venez, à qui le tour? Attention! Voilà une nouvelle vague! Ouais! Comme à l'entraînement! Quoi? Une expression sportive! Comme à l'entraînement! Cette arme. Ça ne veut rien dire. Bon, ça nous fait des ennemis facilement tués, hein, je dis pas mal. Non, impossible d'établir une liaison stable. Bon, dans ce cas, j'y vais à pied. Shepard, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. On est loin ? Ça devrait aller vite.
à moins de tomber sur un os. Oh, le slide. Et merde. Regardez pas la veine. C'est flambé orange. La grosse, là. C'est là que je suis né. C'est dur. Vous avez de la famille, là-bas ? Mon père. Ma sœur. Comment ça se présente ? 3 millions de morts le premier jour. 5 le deuxième. Comment se défend votre armée ? Regardez autour de vous. Ça se passe de commentaires. Vous résistez plutôt bien. Pour l'instant. Mais combien de temps avant qu'ils ne cèdent ? Si seulement ils avaient écouté vos mises en garde contre les moissonneurs, on aurait pu se préparer. Peut-être. Difficile d'imaginer comment on se prépare à ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est un chemin assez classique, hein, tout droit. Comme dans tous les Mass Effect, quoi. Pas de munitions. Enfin, pas besoin de munitions plutôt. Il y en a d'autres par ici. Merde alors, ces trucs me dégoûtent. Dire que New York fourmille de ces sales bêtes. Ah, je n'aurais jamais dû quitter la Terre. Tout ça va mal finir. Abandonner le combat, ça me fout hors de moi. Pourtant, vous demandez à Victus de faire la même chose. Quitter le combat pour aller serrer des mains à un sommet. Ce sommet est notre seule chance. Aucun d'entre nous ne pourra vaincre les moissonneurs seul. Ah, le voilà donc. Soldat, ça va ? Oui, chef, ça ira. Vous avez vu le général Victus ? Il est parti vers le sud il y a une demi-heure. Commandant. Ok, bonne chance. Combien de morts dans ce crash ? 50 ? 75 ? Je sais pas. À peu près. C'est dur de voir un magnifique vaisseau s'écraser. Sans oublier l'équipage à bord. Ouais. Oh ! Attention ! Un peu trop proche à mon goût. Eh ben... Comment elle est passée d'ailleurs, Yara? Bon, Lola, vous croyez vraiment à ce sommet? Avec les Asari? Et les Galariens? Et les Krogan? Et les Butariens alors? Ils sont où les gros bras? C'est pas aussi simple. Les Butariens ont essuyé la première attaque des moissonneurs. Il n'en reste plus grand chose. Et les Krogan ne nous ont jamais pardonné le génophage. C'est vrai, les Turiens les ont stérilisés. C'était une idée des Galariens. Depuis, les Krogan les haïssent tous les deux. D'où leur absence. Dommage. J'ai combattu aux côtés d'un Krogan une fois. Ces bêtes-là en ont sous le capot. Ok. Le génophage, oui, comme on voyait déjà dans le 1, puis dans le 2. Tout ça. C'est mauvais signe. La stérilisation. Allez, des Grunts. Hors de question qu'un moissonneur me vole ce Primark. Je vous suis. Mon temps, alors qu'on est en pleine guerre, il y a des tirs qui vont partout et tout. L'étoile noire des ramasseurs. Oh. Oh, stylé l'arme.
C'est moche. Le combat a été violent. Stylé cette arme, j'adore. On se tourne, on dirait. Mettez la pression. Je sais pas si ce que j'ai tiré c'était bien de le tirer maintenant ou pas, je sais pas. Oh, c'est un lol, il y a ça. Où est-ce qu'il tire, bordel? Général Victus ? Oui ? Je suis Shepard, commandant du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes. Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Bakarian, où étiez-vous passé ? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs Turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau Primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs. Je suis le Primarque de Palavène. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'en serez pas capable ? Je ne suis pas du genre à suivre les règles, et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie. C'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. Vos états de service parlent pour vous. En ce moment, nous avons besoin de meneurs. Ça me plaît. Vous avez raison. Et pour être honnête, unir les différentes races sera tout aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Palavène a souffert, mais la Terre également, Primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter. J'ai tout raté, officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard ? Oui, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Vous êtes prêt, Primarque Victus ? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palavène... C'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la, et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan ? Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. D'accord, donc là on doit voir les Krogan. C'est franche, commandant. Mais vos plans sont voués à l'échec. C'est certain. Nous en savons quelque chose. Madame le conseiller, permettez-moi de... Je ne suis pas la seule dans ce cas. La Dalatras Galarienne est furieuse. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. Peut-être. Enfin, nous pensons malgré tout que vous perdez votre temps.
et nous ne pouvons pas perdre le nôtre. Nous devons nous préparer pour l'arrivée des moissonneurs. Tant que non, les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant, et au revoir. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Alors, voyons voir notre journal vite fait. Donc, sur Kesh. Ok. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet ? Oui, amiral. Mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront. C'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose ? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre ? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la deuxième flotte pour permettre à la troisième et à la... J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre ? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau ? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre ? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les... Il y a 3 ans, le combat contre Sovereign. Je n'ai pas oublié. Il faut les éviter quand ils sont forts, et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a. On peut tenir. Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous, alors continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose ? Lyra semble avoir raison. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que... Vous pensez pas que c'est... Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Des nouvelles de Cerberus. C'est l'inconnu. Un moyen. Je crois que... On pourrait croire qu'on est... Cerberus, je ne connais pas l'ordre. Si l'homme trouble un tas... C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Ok. Donc ça, c'est fait. Journal... sur Kesh. Oh. Commandant, merci de me permettre. Garrus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armes. C'est bel et bien, Garrus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé. Vu comme ça, en effet. Plus vite ce sommet aura lieu. Je peux faire quelque chose d'autre. Je parle juste si vite fait. Hein. C'est juste pour voir si ça enclenche quoi que ce soit. Les miens. Ok, préparation galactique, ouais ça il faudra voir aussi. Ok. Qui est-ce ? Commandant, IDEA s'est déconnectée. Comment ça, déconnectée ? Je ne sais pas. Elle ne répond pas et je n'ai pas accès au diagnostic du noyau IA. Descendez vite sur le pont 3. Pont 3. Commandant, j'essaye de réinitialiser les systèmes, mais quelque chose m'en empêche. Quoi qu'il arrive... Essayez de contacter IDEA. Je vais vérifier le noyau IA. Ok. Spectre terminal spectre, rien. J'essaye de réinitialiser les systèmes, mais quelque chose m'en empêche. Quoi qu'il arrive, ça... Ok. Allons là. Joker, c'est quoi ça ? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un...
Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard ? Idea ? Oui. Tu es dans le corps du docteur Eva. Pas entièrement, mais j'en ai le contrôle. Le transfert n'a pas été facile. Une transition ? Pour nous, tu as disparu un moment. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liées au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. T'aurais pas dû agir seule. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps ? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée des missions du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps ? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. Tu pourrais venir avec nous ? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais elle prend pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps qui leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Donc voilà à quoi servait le corps de Dr. Eva. Je le charrais. C'est Idea qui vient de passer ? Oui, c'était elle. C'est Joker qui va être content. On va ici. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir ? La batterie est sympa, c'est calme. Avec quelques tapis, ça fera un bon nid douillet. Garrus. Ça va, Lyra. J'étais juste en train de réfléchir. Très bien. Quelque chose vous tracasse ? Juste de vieux souvenirs. J'ai passé quelques... On pourrait en parler. On pourrait en parler plus tard. Ok. À votre service. Allons voir quand même Garrus, hein, donc dans le noyau si je m'abuse. Ou alors c'est les armes ici, je ne me rappelle plus. La batterie principale. Nous avons perdu deux cuirassés en quelques heures. Je sais, Primark. J'ai les mêmes chiffres sous les yeux. Ils sont mauvais. Il faut renverser la situation, et vite. Shepard. Garrus ? Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant... Nous aurons besoin de plus. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. J'ai des remords d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. Il y avait un garçon sur Terre. Il devait avoir environ... Je suis toujours vivante. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas... Nous savions que ce serait... Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Vous êtes leur expert, désormais. J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là... C'est pas comme avant, pas vrai ? Un spectre et des... Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que... J'ai oublié le nombre de vies en jeu dans cette... Ouais. Quand les choses tourneront mal, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Et il serait plus que ravi de vous retrouver au bar... et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose ?
Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Vous avez eu des nouvelles dernièrement? Non. Pas depuis un moment. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant. Et vous? Comment? Ma mère est dans l'Alliance. Ouais. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garus. Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien, tous ceux qui autrefois vous riaient au nez, ignoraient vos avertissements, vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous... Dans une guerre, il y a toujours... Pour vaincre, il faudra payer. Je suis donc allé voir mon père. Je passe ça... Sauf si vous dites groupe spécial. J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps. Et si jamais il essayait, mon blason n'est pas franc. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé. Ok, je vais passer un peu vite fait, hein. C'est pas grave. Donc ça c'est bon. On va juste regarder l'enquête vite fait. Citadelle. Ok. Tout ce qui est les quêtes de la citadelle, je ne pense pas les faire en vidéo, hein, clairement. Rien pour le moment. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à nous dire ici? Rien. Il n'y a rien. Commandant, j'ai trouvé un truc louche. Vous avez un instant? Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je vous aurais cru plus inquiète à propos... Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé... Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre nous. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en ce cas. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissons. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur... Mais quelque chose clochait dans le signal. Idea pense que c'est Cerberus. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que... Bien joué. Si c'est vraiment Cerberus... Traîneur. Merci, commandant. Ok, et bien, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime. Et surtout, vous abonner à la chaîne. C'était Dostel pour HTTPNHD. Passez une bonne journée, bonne soirée. Vive les jeux vidéo.